Bonjour tout le monde. Alors, on m'a demandé de faire un tirage pour voir les messages qu'on pourrait avoir d'aujourd'hui jusque les élections prévues. D'accord? Bon, alors pour les élections, moi j'avais vu qu'il n'y en aurait pas, hein, on verra bien. Peut-être que ça nous le dira dans notre tirage, on verra, hein, voilà. Mais ce qu'on veut savoir, nous, c'est ce qui va se passer. Voilà, à quoi s'attendre, hein, à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment des élections. Alors, j'ai ressorti ce jeu ici, qui nous parlait assez bien, qui nous parle assez bien, mais pareil, qui ne m'attire plus. Donc, je pense que vous le retrouverez sur le site, hein. Voilà, parce que c'est les esprits de l'eau, vous voyez, voilà, et voilà, c'est comme ça, hein. Donc, enfin, voilà, bon, faut vraiment prendre le bouquin pour avoir les significations, et ça m'embête, franchement, ça m'embête. Donc, voilà, ah, vous allez certainement le voir sur ma boutique. J'aime bien faire des vidéos assez courtes, d'accord, et vraiment vous montrer les significations. Donc, je pense que c'est des jeux que je vais me séparer. J'en ai tellement que voilà, puis je peux changer un petit peu aussi. Hein, ça fait 2 ans que je suis là. Bon, il y a eu quelques jeux neufs entre deux, mais enfin voilà, c'est le moment du changement, d'accord? Le changement pour tout, puis c'est le printemps, comme certaines l'ont dit. C'est vrai, voilà, c'est le nettoyage de printemps. Bon, allez, on y va pour notre tirage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui va se passer, donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'aux élections prévues, hein? Voilà. S'il vous plaît. Les élections qui sont prévues, c'est en France, c'est pas ailleurs. Donc, je dis en France. Alors, on a la princesse au coquillage et la sirène au bébé alligator. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, 5. Mon bébé plein d'entrain, menu et nouveau, au cuir solide, couvert de rosée, ferme et en forme, prêt à attaquer, plongeant vers l'avant en un éclair se rabattant. Le message divinatoire. On vous dit, souvenez-vous de votre détermination. La vie peut être dure et dernièrement, les choses ont eu des conséquences émotionnelles. Donc, on est bien dans le vrai, d'accord? Pourtant, en dépit de ce qui vous arrive, tout vous réussit. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un rescapé. Comme l'alligator, vous avez le courage, la force et la robustesse de gérer tous les défis et de faire face aux déboires de la vie avec une détermination accrue. Vous avez en votre possession tous les outils nécessaires pour maintenir un sens de l'humour face aux épreuves. Vous avez entre les mains ce qu'il vous faut pour rester résistant. Même si les temps difficiles ne font pas disparaître de sitôt, concentrez-vous sur votre résilience et vous sortirez des épreuves encore plus fortes. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un mal pour un bien. Nous allons arriver à faire face. La princesse au coquillage. Pour l'amour des caprices, je me languis de vivre. Auprès de la mer, 1 million de kilomètres de sable où marcher seul, juste toi et moi. L'odeur des emprunts dans l'air, une brise salée, aléas des intempéries diverses.
Les pensées de chacun d'entre nous étant notre seule préoccupation, vivre une vie libre. D'accord? Retrouver notre liberté, on est tout à fait d'accord avec ça. Le message divinatoire. Poursuivez les désirs de votre cœur. D'accord? De votre cœur. Il y a dans votre cœur un rêve exaltant qui mérite une attention toute spéciale. Vous vous sentirez attiré par un rêve que vous avez nourri. Mais vous avez des difficultés à lâcher prise sur le plan pratique et à vous laisser aller vers l'inconnu. C'est tout à fait vrai, hein. Alors, on va survivre, mais on a du mal à aller vers ce nouveau monde, hein. Vous voyez, voilà. Sachez toutefois que si bon nombre de personnes cherchent à atteindre les étoiles, seuls les passionnés y parviennent. D'accord? Sur papier, promettez-vous de faire tous les efforts possibles pour y parvenir et rêver à nouveau. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était les messages des esprits de l'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre tiens, le tarot. Allez, celui-ci, le petit tarot. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'avant, hein, je répète, c'est ce tarot ici. Voilà. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour ce qui va se passer hein, à partir d'aujourd'hui jusqu'au prochaines élections qui doivent avoir lieu en France. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe à partir d'aujourd'hui jusqu'aux élections? Alors, vous voyez, on a la tempérance. Amélioration de la situation grâce à la souplesse et la sérénité. Grande facilité d'adaptation et de communication. Donc, vous voyez, les gens vont commencer à parler. D'accord? Amitié et sympathie, il faut qu'on reste soudés. Ici, on a le jugement. Action de fait surprenant et nouveau. Résurrection heureuse et rapide. Changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Chance et dynamisme, bouleversement enthousiaste. D'accord? Donc, il va bien y avoir des bouleversements, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Puisque, regardez, ici, on a l'as de coupe. Et l'as de coupe nous dit joie, bonheur, contentement, d'accord? Réalisation des projets et des ambitions. Et ici, nous avons l'as d'épée. Force, énergie, puissante d'action sur les événements. Confiance et initiative nouvelle. Vitalité et pouvoir de décision. Raison et intelligence, détermination. Alors, on va vraiment être déterminé hein, à retrouver notre liberté. Vous voyez, il va y avoir du changement. Moi, ici, je dirais que ça bouge. Hein, d'accord, le peuple va enfin comprendre hein, certainement ce qui se passe. Ça va bouger. Allez, on va les recouvrir et on verra bien ce que ça va nous dire. Alors, on a... l'impératrice, accomplissement par l'action. Donc, vous voyez, ça va vraiment bouger. D'accord? Aboutissement grâce aux idées riches et fécondes. D'accord? Excellente énergie naturelle. Esprit clairvoyant et créatif. Bon. Vous voyez les nouvelles idées avec l'effet de la nouvelle lune. Ici, on a le jugement et la justice. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode et l'honnêteté. D'accord? Il y a des actions qui se passent en ce moment, mais c'est des actions bien attentionnées. Ici, nous avons
le pendu, sacrifice, renoncement et limitation dans les projets, soumission et impossibilité d'agir, échec et rupture. Donc, vous voyez ici, pour moi, le pendu, ben, vous savez qui c'est, hein. L'œil, la pied est maillé, d'accord? Perte de vitalité physique et morale, faiblesse et fragilité, d'accord? Difficultés diverses et pertes matérielles. Ce qui va nous faire notre jour, hein. On va être enfin libéré, d'accord? Et puis, vous voyez ici, hein, on a l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est une transformation brutale et difficile à vivre. Projet enseveli par les aspects de découragement, échec et tristesse. Restrictions matérielles et isolement. Vous voyez, fatalité. Donc, bah, écoutez, hein, moi, je crois que la justice, hein, va s'en mêler, d'accord? Il est mortibus, ok? Donc, bah, écoutez, franchement, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Une très bonne nouvelle qui arrive. Il y a une libération des difficultés. Un sacrifice affectif. Donc, moi, je dirais ici que ben, notre Pinocchio va avoir des problèmes hein, suite aux révélations de leur couple, hein, n'est-ce pas? Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est la fin de tout, de, c'est la fin de, comment je peux vous dire ça? C'est la fin de ce gouvernement, hein, voilà. Donc les élections, bah, vous voyez bien que, bah, non, hein, d'accord? Ça, c'est, non, non. C'est pas possible. Voilà, donc ce qui va se passer, ben, je pense qu'on va être libéré de notre pic-pic Nokio parce que ben il y a un jugement par rapport aux vérités de leur couple. Hein. Voilà ce que je vois moi. Alors, on va demander au tarot égyptien, donc il s'appelle tarot égyptien. Je ne vais pas aller vous chercher la boîte. Hein. Le mieux, ce serait peut-être que je vous fasse une vidéo avec les choses. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les événements qui vont se passer, qui vont avoir lieu, hein, voilà, d'aujourd'hui, du 1er mars aux futures élections en France, hein, voilà, parce que je crois que les élections, c'est pas partout pareil, hein. Alors, on a le 4 de coupe, donc de nouvelles relations, nouveautés, présages. Donc, vous voyez, nouvelles relations, pour moi, quelqu'un qui arrive, d'accord? Au 3 d'épée, alors ici, on a le 3 d'épée, c'est l'erreur, confusion, indiscrétion, désordre. Il y a trop de désordre, il y a trop d'erreurs, tout est confus, on n'y comprend plus rien, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne à notre secours. Ici, on a la lumière, donc quelqu'un qui vient, quelqu'un de lucide mentalement, d'accord, de généreux, qui a bonne réputation, qui vient nous éclaircir sur ce qui se passe, d'accord? Ici, on a le 2 de coupe. Alors, bien sûr, ben, ils vont pas vouloir, hein, voilà, c'est désir non partagé et jalousie. Alors, on va recouvrir le 2 de coupe, s'il vous plaît. On a le 5 de coupe, donc c'est le testament, les héritages, hein, d'accord? Donc, ben, écoutez, quand on voit ça, on comprend bien que c'est la fin. Voilà, regardez.
C'est la fin de la trahison. D'accord? Donc, ah, vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'attendre à un départ, hein. Alors, pour moi, ce serait bien le Pinocchio, hein, mes guides me disent ce que j'entends. Voilà. On va prendre mon gros jeu parce que il y a des continents dedans. Mais comme on a vu l'arrivée de quelqu'un, hein, on verra l'arrivée de qui. Alors, pour moi, j'entends, je répète encore, hein, je répète, armée, mais armée étrangère. On appuie sur étrangère, d'accord? Donc, plus une armée comme on connaît. Hein? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les événements qui vont avoir lieu? À partir d'aujourd'hui, 1er mars 2022, jusqu'aux élections prévues en France. S'il vous plaît. Oh. Ben voilà, regardez, on a le départ. Nouveau commencement. Vous voyez, une démission. Hein? Bon, c'est pas bon, hein? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a une démission parce que y a le désert avec. Il y a une démission parce qu'il est bloqué. De plus, il est seul. Plus personne ne l'écoute. D'accord? On a la femme âgée. Ah, donc c'est peut-être Jean-Mich. Et on a l'armée. Alors, moi, je pense que c'est pas le fait d'être femme-femme, homme-femme, femme-femme, on s'en fout, d'accord? Donc, vous comprenez ce que je veux dire, hein? On s'en fout de leur vie personnelle, on s'en fout de leur transformation. Pour moi, ici, je pense que ils étaient obligés, voilà, d'être transparents. Parce que on ne peut pas être dominé, géré par des menteurs. D'accord? Donc moi, ici, je vois vraiment cette armée arriver, je vous l'avais dit déjà, pour ingérence. D'accord? Parce que les mensonges et tout ça, et toutes les inventions qu'on va apprendre, il y aura vraiment, vous allez voir, de l'ingérence. D'accord? Alors, attention, l'armée sera de notre côté. Donc, no stress. OK? Alors, ici, nous avons. Voilà, vous voyez, il va falloir rester fort. D'accord? Parce que, bah ouais, ça va encore être des épreuves. Pour certains, hein, parce que certains, ils croient, hein, et l'aiment dur comme fer, hein, voilà. Ils n'ont rien compris au film. Donc, voilà, quoi. Regardez, il y a la naissance, il y a des nouveaux projets. On a la compassion et l'homme âgé. Pour moi, il y a vraiment un homme âgé qui nous protège, d'accord, mais qui ne viendra pas lui, hein, voilà, mais qui va mettre l'armée faire le nettoyage, d'accord? C'est vrai que c'est encore des épreuves et c'est encore des événements qui vont nous demander encore un peu de volonté, de caractère, hein, mais on doit passer par là, on est obligé, hein. On n'a pas le choix, d'accord, voilà. Vous voyez, on a la foudre. Ça va provoquer un chaos, ça c'est sûr et certain, mais souvenez-vous que moi j'ai toujours vu une révolution. Il y a le chaos,
pour la fête, d'accord? Donc pour la réjouissance, pour la célébration. C'est la tempête qui, voilà, qui va nous ramener le calme, d'accord? Après une tempête, il y a toujours le calme. Eh bien, écoutez, c'est ce qui va se passer. On a les commerces. Vous voyez? Quand on va apprendre hein, que tout ça a été manipulé, que ça a été un trafic et tout, imaginez-vous combien de commerces sont fermés. D'accord? Le chaos sera tout à fait logique et tout à fait normal. S'il vous plaît, alors, on a, vous voyez, il y a aussi, attention, hein, une femme qui est en danger. Ça peut être aussi... Non, enfin... Ça peut être aussi la France, d'accord? Qui est en danger. Parce que avec des ergumènes comme ça, enfin voilà, hein, je veux dire, c'est pas possible de continuer comme ça, d'accord? Bon, en tout cas, ce qui va se passer, ça va laisser des empreintes, ça laissera des traces, hein. Ça sera vraiment écrit dans les histoires, dans l'histoire. Mais vous inquiétez pas, on est béni, d'accord? On est protégé. On a des personnes qui nous entourent, d'accord? Qui nous protègent, hein, voilà. Et ici, j'ai la carte de l'Antarctique, alors je ne sais s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Quels événements vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui, 1er mars 2022, jusqu'aux prochaines élections? Écoutez, regardez, on vous demande de rester positif, d'accord? Parce que regardez, tout va être, on va soigner tout ce désordre, d'accord? Donc, c'est voilà. N'oubliez pas, hein, regardez. Moi, j'ai l'armée. Hein. Moi, pour moi, l'armée vient remettre de l'ordre dans ce pays qui est en danger, puisque, en plus, de toute façon, ils nous ont tout vendu. Alors, s'il vous plaît, quel événement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mais regardez, voilà, vous voyez, eux, c'est pareil, hein, ils vont avoir des soucis à se faire, hein, d'accord? On va être informé de certaines choses, hein. Mais vous voyez peut-être aussi les mercures, hein, qui vont être dans les regrets, d'accord? Qui vont dire, oh, on est désolé, voilà, on a des remords, on n'a pas compris, voilà, hein. Mais c'est de la mauvaise information, hein, d'accord? Alors, ici, moi, ce que je vois, c'est que les mercures, voilà, les mercures s'enfoncent de plus en plus, d'accord? Il y a le puits. Alors, ben, ils vont dire qu'ils sont désolés, qu'ils regrettent, hein, voilà. Mais ça va nous amener, vous voyez, cette délivrance. La libération. Ça va nous redonner notre liberté. Regardez. On a la guérison sur notre liberté. D'accord? Donc, il faut rester positif, hein, surtout. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà ce qu'on nous dit. Alors, on va peut-être quand même prendre le jeu là-bas pour voir si il va nous dire quelque chose aussi, mais on va pas en tirer beaucoup parce que la vidéo sera déjà assez longue. Alors, s'il vous plaît, les cartes, est-ce que vous pourriez nous donner des messages de ce qui va, des événements qui vont avoir lieu, alors, à partir d'aujourd'hui, le 1er mars, jusqu'aux élections présidentielles qui doivent avoir lieu en France. Alors, on a l'apparence et l'attitude, d'accord?
D'accord? L'apparence et l'attitude. Fascinant. Alors là, il vous fait croire que tout va bien. Hein, voilà. C'est du cinéma. Hein? D'accord? Bon. On a l'argent. Voilà. Tout ça, alors, il tient le coup, hein, le mec, hein, d'accord? Il tient le coup. Parce que, ben, lui, ce qu'il voit, c'est le fric. D'accord? Donc, il essaye vraiment d'aller jusqu'au bout. Et vous voyez, ici, on a la carte de l'hésitation. Il hésite quand même. Hein, d'accord? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les événements qui vont avoir lieu, hein? Culpabilité. Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'aux prochaines élections, hein, en France, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message? Alors, on a l'hésitation, on a la culpabilité. On a la violence, l'humour rigolade et l'intimidation. Vous voyez, je vous dis, il risque de devenir violent, bah, verbalement, hein, certainement, comme il a l'habitude de faire, ou même de péter un câble. Hein, ça, on l'avait vu aussi, hein, voilà, pour nous intimider. Mais franchement, il faut prendre ses dits et ses actions, ses attitudes, hein, à la rigolade, parce que de toute façon, il n'est pas crédible. Et regardez, on va au changement. Vous voyez? Voilà. Et ben, alors, ici. Alors, oh, quels événements vont avoir lieu? Alors, on a, ouais, alors voilà, ici, on a l'apparence, l'attitude et les enfants. Mais vous savez que les enfants, c'est aussi l'insouciance, l'innocence. En fait, pour l'instant, vous voyez, il apparaît, hein, il a une attitude d'innocent. D'accord? Alors, bon, il essaye encore de fasciner, le monde, hein, parce que, ben, il va essayer encore de se faire, réélire, hein, comme il va essayer encore de tricher. D'accord? Mais regardez, c'est une fatalité. Il va à sa chute, à sa destruction, à sa perte. Hein. C'est la ruine pour lui. D'accord? Alors, s'il vous plaît, quels événements vont avoir lieu? Alors, ici, sur l'argent, on a le magnétisme, le soulagement. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, il a tout vendu et tout. Hein, voilà. On n'a plus rien. Hein. Donc, s'il dégage, écoutez, c'est sûr qu'il va falloir reconstruire. Moi, je ne vous ai jamais dit qu'on allait, voilà, que tout allait bien se passer, qu'on allait pouvoir sauter de joie du jour au lendemain. Non, non. Je vous ai dit, il va falloir reconstruire. Hein. On est bien d'accord. Hein. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les événements? On a l'hésitation et on a le verdict. Hein, vous voyez? Voilà. Là, il hésite parce que moi, je vous dis qu'il est. Alors, bien sûr, c'est tenu secret parce qu'on ne va pas vous le dire. Hein. Mais il hésite parce que moi, je vous dis qu'il a des procès en cours. Hein. Il y a un jugement qui va être prononcé et rapidement hein, par rapport à des vérités qui éclatent. Hein. D'accord? Alors, bah, il culpabilise hein, par rapport à ses projets. Ça, on le sait. Parce que, bah merde, il n'aura pas arrivé à aller jusqu'au bout. Hein, donc, vous savez, passe-partout numérique. Hein, voilà. Alors, regardez ici, sur la carte de la violence, bah, on a le revers de la médaille. Hein, on a l'effet boomerang. D'accord? Alors, sur l'effet boomerang, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, l'illusion. Donc il rêve complètement, hein, voilà. Et ici, on a, par rapport à sa violence, il va avoir l'effet boomerang hein, sur ses rêves. Hein, en tout cas, sur la violence qu'il nous
prodigue, il y a une évolution. Donc, il y a des mouvements. D'accord? Il va y avoir un avancement avec beaucoup d'amour. D'accord? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux événements qui vont se passer? Il faut prendre avec humour et rigolade la personne narcissique qu'il est et les mensonges qui nous sortent tous les quatre doigts. Alors, intimidation, s'il vous plaît. Alors, il va essayer de nous intimider, vous voyez, mais le problème, c'est que bah, le coco, il va pas y arriver et donc il va se barrer. Alors, s'il vous plaît. Voilà, et vous voyez sur le changement, eh ben, il y a l'échec. Voilà, il y a les obstacles, il y a les erreurs. Le monsieur a pris le mauvais chemin. Voilà. Vous voyez, il a fallu beaucoup de patience. Hein. Les secrets ont été bloqués, mais voilà. Maintenant, regardez, on a l'ouverture, on a du soutien, on a de l'appui, d'accord? Et on va découvrir des choses, il y a des nouveaux projets qui sont en cours. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, moi je dis que on est bien. On est bien, on va dire comme Antoine, on est bien. Oh. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps d'aller écouter ce qu'il a dit sur GI, c'est vrai. Sur Luc, voilà. Donc, je vais aller voir. Parce que c'est vrai que je devais, mais le temps me manque. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis mon pull à trous. J'ai mis mon pull à trous. Et chez mes ongles un petit peu noir, hein, parce que le soleil revient. Et donc, moi, j'aime les fleurs, hein, d'accord? J'aime les fleurs. Alors, moi, j'aime pas ce qui brille, hein, pas spécialement. Mais j'aime les fleurs, hein. J'aime la nature. Alors, ouais, j'ai mes ongles quelquefois noirs. Mais sinon, vous voyez, mes mains sont propres, hein. Voilà. Donc, ben, c'est vrai que j'ai mes jardinières à m'occuper. J'ai mon terrain. Là, va falloir que je commence à replanter un petit peu de légumes et tout ça. J'ai mes poules, j'ai mes glaines, j'ai mes coques, hein, voilà. Alors, ben ouais, ça prend du temps. Donc, eh bien, j'ai pas trop le temps. Je peux pas aller avec le téléphone et puis écouter les vidéos en même temps. Dans le terrain, ça capte pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a pas mal de bugs internet en ce moment. Hein. Bon, alors, faut s'y préparer parce que je crois que ça va être chaud devant. Je vous fais des bisous, vous souhaite une belle après-midi et surtout restez positif, restez confiant parce que tout va bien se passer. Gros bisous tout le monde!